Bonjour à tous. Pour accompagner nos clients sur leur gestion de portefeuille, et en particulier leur gestion de leur portefeuille d'assurance vie quand ils sont en gestion libre, nous faisons un point chaque mois avec un gérant de LBP AM, ici Nicolas Meusburger, qui est gérant diversifié. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés en mars et quelle est ta vision sur ces marchés-là? Alors, on va faire une rapide rétrospective sur ce qui s'est passé au mois de mars. Au cours de ce mois de mars, c'est la politique monétaire qui est restée l'un des principaux points d'attention des investisseurs. Nous avions deux grandes banques centrales qui avaient leur rendez-vous habituel, la BCE, la Banque Centrale Européenne, et la Fed, la Banque Centrale Américaine. Sans grande surprise, elles n'ont pas changé le niveau de leur taux directeur, mais ce qui était surtout très attendu, c'était leur discours et leur projection. Et avec ces communications, les investisseurs ont vu une porte ouverte pour une première baisse de taux au mois de juin, ce qui viendrait desserrer un peu la vis monétaire sur leur politique monétaire. Ça a rassuré les investisseurs. Ça a apporté beaucoup d'oxygène dans la prise de risque des investisseurs. L'autre point marquant de ce mois de mars, c'est la microéconomie, c'est la saison de résultats des entreprises qui a pris fin au cours du mois de mars. Et on est sur un cru plutôt bon, voire même très bon du côté des entreprises, puisqu'on a des entreprises, notamment les grandes entreprises européennes et les grandes entreprises américaines, qui ont sorti des chiffres d'affaires et des résultats qui étaient nettement supérieurs aux attentes. Donc dans cet environnement, on a des marchés qui ont été plutôt favorisés, encore une fois, au cours de ce mois de mars. On a les actions de la zone euro qui ont progressé de 4,5%, les actions américaines de 3,2%, les actions japonaises de 4,2% et les actions émergentes également en hausse de 2,5%. Du côté des marchés obligataires, on a des obligations souveraines qui ont été soutenues par une baisse des taux et ces obligations souveraines en zone euro progressaient de quasiment 1%. Et du côté des obligations d'entreprise, le crédit, on a vu un parcours un peu plus épars puisque les obligations les mieux notées du point de vue du crédit ont progressé de 1,2% et les obligations d'entreprise les plus risquées, le segment high yield, a présenté une performance très proche de 0%. Voilà pour ce mois de mars. Merci Nicolas pour ce topo et cette première analyse. Quelles sont vos conclusions, les conclusions du comité d'investissement et vos prévisions sur les mois à venir? Alors, nous avons tenu notre comité d'investissement il y a quelques jours. Les principaux faits marquants, ce qu'il faut en retenir, c'est ceux que nous affichons sur la note de gestion libre qui apparaît à l'écran. Le premier point, c'est du côté de la croissance. On reste sur une croissance mondiale qui est limitée, mais un peu mieux répartie. On anticipe une reprise assez graduelle de la croissance en Europe, alors qu'aux États-Unis, on voit plutôt une décélération qui devrait être limitée et qui devrait intervenir d'ici l'été prochain. La croissance chinoise, très importante toujours pour l'économie mondiale, elle devrait se stabiliser selon nous. Le deuxième point, le deuxième sujet, le deuxième fait marquant des conclusions de notre dernier comité d'investissement, c'est l'inflation qui nous occupe depuis près de 2 ans. On est sur une inflation qui est un peu plus raisonnable, mais on n'a pas encore touché la cible des banquiers centraux. Cette cible des banquiers centraux, elle est fixée à 2%. Et si on regarde là aussi la politique monétaire et l'inflation, que ce soit de chaque côté de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe, on est toujours au-dessus de cette cible de 2%. Cette inflation a bien diminué au cours des 12, 18 derniers mois, mais elle se situe aujourd'hui pas loin de 3%, plus ou moins 3%. On voit qu'il reste encore 1% pour atteindre cette cible de 2%. C'est encore un mouvement un peu difficile puisqu'on voit que sur les dernières publications macroéconomiques, cette inflation a tendance à
la vitesse de décélération a tendance à ralentir. Et donc, on a une inflation qui baisse un petit peu moins. Et donc, on voit que ce dernier pourcent d'inflation pour rejoindre les 2% est un peu plus incertain sur son calendrier. Et c'est ce qui amène un petit peu de volatilité autour de de cette inflation. Quand on parle d'inflation, ben, on parle banque centrale et c'est le troisième fait marquant de notre comité d'investissement. On est sur des banques centrales qui, selon nous, en 2024, devraient baisser leurs taux après les avoir très fortement montés. Et ces premières baisses de taux, selon nous, que ce soit pour la Fed, donc la Banque centrale américaine, et la BCE, la Banque centrale européenne, on devrait voir une première baisse de taux juste avant l'été, en principe au cours de la réunion qu'elles tiendront au mois de juin prochain. Le quatrième fait marquant, c'est tout ce qui touche à la politique, à la géopolitique. La politique d'abord, on est dans une année 2024 qui est très particulière, puisqu'on a un être humain sur deux qui est amené à se prononcer au cours d'élections, des élections nationales, des élections régionales, et ça représente à peu près 2/3 du PIB mondial qui a des élections très importantes cette année. Les plus importantes, parce qu'il y en a beaucoup, les plus importantes qu'il faut retenir, celles qui auront probablement un impact sur les marchés, ce qu'on appelle des market movers, c'est les élections américaines, les élections présidentielles américaines début novembre prochain. D'ici là, beaucoup plus proche dans le calendrier, les élections européennes au début du mois de juin et également des élections au Royaume-Uni. Ces élections, on les scrute parce qu'elles peuvent apporter un certain nombre d'éléments volatiles sur les marchés. Et je parlais également, en plus de de l'actualité politique, l'actualité géopolitique qui reste toujours assez chargée, assez lourde, toujours avec les tensions très fortes entre la Russie et l'Ukraine, et également le conflit très fort là aussi au Moyen-Orient. Qui ne veut pas faiblir et là aussi qui apporte son lot de volatilité. Voilà les quatre principaux messages de notre comité d'investissement. Et si on regarde ce que ça donne en termes de prévision boursière, on anticipe que sur les marchés d'actions, on est plutôt neutre à positif. Sur les actions des pays développés, on entrevoit pour les 3 prochains mois des performances de l'ordre de plus 0,5, plus 1, plus 1,5%. Pas beaucoup plus, parce qu'il y a quand même pas mal de sources de risques à côté. Le seul marché sur lequel on aurait tendance à être légèrement négatif, c'est le marché japonais. Les actions japonaises qui ont très fortement monté, on anticipe un certain nombre de prises de bénéfices sur ce marché des actions. Si on regarde le marché obligataire, ben on anticipe des baisses de taux. Ces baisses de taux devraient se traduire par des hausses sur les obligations souveraines, des hausses qui là aussi se situent entre plus 0,5 et plus 1,5% au cours des 3 prochains mois, que ce soit aux États-Unis et en zone euro. Enfin, sur le crédit, les obligations d'entreprise, là aussi on a plutôt une vue assez favorable puisqu'on entrevoit une performance en hausse de plus 2% sur le crédit au cours des 3 prochains mois. Voilà ce qu'il faut retenir de notre dernier comité d'investissement. Merci. Donc, je te propose maintenant d'aller voir de manière très pratique les allocations possibles, les allocations que vous préconisez sur les modèles de portefeuille. Donc, on est en gestion libre sur Resivi. Je rappelle que quand vous êtes en gestion libre sur Resivi, eh bien, vous pouvez faire, on vous propose d'adapter, de synchroniser votre portefeuille tous les mois aux allocations que proposent les gérants en fonction de votre profil de risque. Donc, vous pouvez en un clic synchroniser votre portefeuille. Et puis, si vous voulez mettre un peu plus de ceci ou un peu moins de cela, vous pouvez, je dirais, en quelque sorte bricoler, surpondérer ceci, surpondérer cela. Vous êtes totalement libre quand vous êtes en gestion libre sur Resivi. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que Alors, vous avez proposé pour maintenant? les principaux changements que l'on propose pour les portefeuilles conseillés au mois d'avril sont finalement peu nombreux parce qu'on avait déjà revu les portefeuilles le mois dernier et le mois précédent. Là, les quelques ajustements qu'on va faire touchent la classe d'actifs des actions. Déjà, le poids des actions dans les portefeuilles conseillés ne va pas changer. Ce qui va changer dans l'allocation en actions, c'est tout simplement le contenu et c'est au sein des actions de la zone euro. Dans les actions de la zone euro, là aussi, on ne va pas changer le poids, mais à l'intérieur, on va modifier la façon dont est construite
la location, on va apporter un biais croissance un peu plus fort. Et comment ça va se traduire? Bah, tout simplement, on va alléger des positions sur des fonds qui sont plutôt blindes, des fonds qui sont plutôt mixtes, c'est-à-dire des fonds qui n'ont pas forcément de style de gestion très marqué, comme la value ou la croissance. Et donc, on va alléger notre position sur le fonds Lazard Alpha Euro SRI. On va également alléger très légèrement la position sur le fonds Tocqueville Euro Equity. Et le produit de ces ventes va nous permettre d'acheter, de renforcer notre position sur le fonds Tocqueville Croissance Euro ISR. Donc on va, au sein de ces actions de la zone euro, garder le même poids, mais renforcer le poids de la croissance dans cette allocation. Sur les autres aspects actions du portefeuille, on ne va pas changer le poids des actions américaines, japonaises et émergentes, et on ne va pas non plus changer les fonds que l'on propose pour construire le portefeuille. L'autre changement que nous proposons dans les portefeuilles conseillés pour ce mois d'avril, ça touche notamment les portefeuilles les plus prudents. Et dans les portefeuilles les plus prudents, on va, c'est le portefeuille prudent et le portefeuille modéré, on va augmenter légèrement notre position, notre allocation sur les obligations souveraines. Encore une fois, on est plutôt assez positif sur ce segment et donc on va renforcer ce poids dans les portefeuilles les plus prudents. Pourquoi seulement dans les portefeuilles les plus prudents? Tout simplement parce que dans les portefeuilles les plus risqués, le principal moteur de risque dans les portefeuilles actuels, c'est les actions, et on pense qu'on est au juste poids au niveau des actions dans le portefeuille. Et dans ces portefeuilles les plus prudents, ces obligations souveraines, on va les renforcer en augmentant notre position sur un fonds qui était déjà dans les portefeuilles conseillés qui s'appelle LBPAM ISR Obli Long Terme. Voilà les principaux mouvements opérés pour ce mois-ci dans les portefeuilles conseillés, Jean-Baptiste. Merci. Donc, pour vous qui avez client de EasyVie en gestion libre, vous pouvez donc synchroniser vos portefeuilles en un clic. Sachez qu'il n'y a pas de frais d'arbitrage quand vous êtes sur EasyVie en gestion libre. Donc vous pouvez adapter tous les mois. Il n'y a pas de frais spécifiques sur les arbitrages, ni de frais spécifiques, notamment à utiliser ces modèles de portefeuille et ces propositions d'allocation que tu viens d'expliquer. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour toutes les explications. Merci à LBPAM. Pour nos échanges, notre partenariat. Je rappelle aussi qu'on a aussi, quand vous avez un PEA, que vous voulez le gérer sur la France, un PEA que vous voulez gérer sur l'Europe, ou encore un compte-titres que vous voulez gérer avec des valeurs américaines, nous avons aussi sur le site EasyBourse des portefeuilles modèles qui permettent aussi de vous accompagner sur votre PEA ou sur votre compte-titres. Et bien, écoute, Nicolas, je te souhaite une très bonne journée et une bonne journée à tout le monde. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt, merci.